Selon Le Parisien, Henri Giscard d'Estaing, fils de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, a été agressé fin septembre par deux adolescents en Rome. C'est dans le 15e arrondissement de Paris qu'Henri Giscard d'Estaing s'est fait attaquer par deux adolescents pendant qu'il retirait de l'argent à un distributeur automatique de billets. Cette agression a eu lieu le 30 septembre dernier sur le boulevard Montparnasse à Paris. Alors qu'il se rendait dans les locaux de la banque BNP, l'ancien conseiller général du Loir-et-Cher ne prête pas attention à deux adolescents près d'un autre distributeur de billets. Le fils de Valéry Giscard d'Estaing compose son code confidentiel de carte bancaire, et c'est à ce moment précis que les deux adolescents se précipitent sur lui. Il le bouscule et tape le montant désiré. Enfin, il pousse Henri Giscard d'Estaing et réussit à récupérer l'argent à sa place avant de s'enfuir en courant, laissant l'homme de 61 ans seul dans le sas de la banque. C'est avec près d'un millier d'euros que ces agresseurs sont sortis de la banque. Les deux adolescents n'ont pas été appréhendés, mais selon Le Parisien, une source judiciaire indique que l'exploitation de la vidéosurveillance est en cours.